Hello, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Sims 2. Et pas n'importe quelle vidéo, c'est une vidéo construction. Dans mon let's play, j'ai clairement pas construit. Et je me suis dit qu'on allait tester ça ensemble, à savoir qu'il y a beaucoup moins de possibilités de construction, bonjour Stram, que dans les Sims 4. Donc à mon avis, ce qui est bien, c'est que ça va me prendre beaucoup moins de temps que habituellement pour construire, donc moi j'adore. Mais on va tout de suite voir ça ensemble. Je vais faire une petite maison, hein. On va pas changer une équipe qui gagne, on va partir sur quelque chose de petit et on va voir ce qu'on peut faire avec. Ah, finesse. Stram, d'accord, pourquoi il y a un cheminée bâclée? D'accord, alors il y avait bien noté, c'est le côté ah oui c'est vrai, c'est pas les mêmes. Et moi, passer des Sims 2 aux Sims 4, à chaque fois, ça me perd. Hein. Tu peux, a priori, construire sans avoir de Sims. Et du coup, j'espère que les fonds sont à 0 Sims Shoes. Parce que c'est infini. Tu peux faire des diagonales? Oui, bon, a priori, les fonds sont infinis. C'est déjà un truc qu'on... D'accord. C'est bien, regarder ça. C'est pratique, ça. Bon, par contre, tu peux... Tu peux pas... Tu sais, j'essaye de l'agrandir, tu ne peux pas l'agrandir, sachez-le. Donc là, voilà. Et ça, c'est les murs simples. Okidoki. Surtout, Stram, pose-toi bien devant mon écran. Bonjour, enchantée. Quelle est pénible, cette petite, hein? Hein, quand tu es pénible? En même temps, c'est son heure, hein. Là, je tourne beaucoup plus tôt. Habituellement, je tourne l'après-midi, là, c'est le matin. Forcément, Momo n'a pas l'habitude, hein. Est-ce qu'on va changer une équipe qui gagne, c'est-à-dire partir sur une maison carrée? Mais pourquoi j'ai toujours envie de partir sur le truc de diagonale? C'est terrible ça par contre. Voilà. C'est quoi? J'ai décidé que j'allais partir un peu au pifomètre sur les maisons. Parce que de toute manière, elles sont ratées les miennes, donc pourquoi se casser la tête? Ce que on avait vu dans la rediff, c'est que on avait des toits automatiques. Et ça, c'est quand même vachement le pire, regardez ça. Y a pas de toit. Toit automatique carrelé, voilà. Ça marche pas! J'étais si fière de vous présenter cet outil en mode regardez, j'ai pas besoin de travailler! Et ben voilà, niqué mouqué. Ah, mais c'est parce que là, c'est les toits automatiques, c'est tout ce que tu peux faire avec les toits automatiques. Putain, mais je suis beubeu moi. Mais y a pas de soucis, tu sais, tu me dis en fait, tu te démerdes. Hein, ça marche comme ça! D'accord. Et oui, après j'ai vu que t'avais l'angle. Voilà, tu choisis l'angle. Ah mais il faut le choisir avant. Ah non. D'accord, c'est après. Wow. C'est pas simple à Michel. Dans le cas où je me suis plantée et qu'il faut que je rajoute un petit truc. Ah ouais, t'as pas le droit à l'erreur là. C'est. Ah ouais. Ah bah d'accord. Ouais. Micheline. Oh, mais je t'ai dit ça va être hyper simple et tout. C'est trop bien, toi automatique. Mais il me rajoute un truc en bas. Bah je te veux pas alors. Attends, tu sais quoi, j'ai quand même envie de me buter un peu dessus là. Habituellement sur les Sims, je me bute pas du tout sur les toits. Alors pourquoi celui-là, oui. Là tu veux par contre. Tu as envie d'être emmerdeur quand même. Tu sais, des fois, il faut accepter que ça se passe pas comme on le souhaite. Hein. Bon, c'est pas grave. C'est moche. Bon, on a l'habitude avec moi, je veux dire, c'est pas une nouveauté. Et ça fait très Instagrammable. C'est genre les petits bars, les petits salons de thé. Tu sais, où tu peux faire des photos magnifiques et tout. Partir sur de la brique blanche. Parce que j'aurais voulu... Il y a de la pierre. Non, en fait, c'est pas de la pierre. C'est du coulé. D'accord. Ah, bah ça peut être sympa. Ah, et puis ça, c'est qu'une seule couleur. Mais si je veux pas corail, si je veux une autre... J'ai soit gris, soit rose, c'est ce que t'es en train de... Ah, non. Jaune. Tu sais quoi, j'ai envie de couleur dans ma vie. On va mettre du jaune. C'est très, très bien, le jaune. Porte d'entrée. Il y a des trucs un peu sympas. Le souci, c'est qu'en fait, j'ai l'impression de passer 40 ans dessus, quoi. Je ne connais rien. Ah, il n'y a pas de bois. Ok. Tiens, on va essayer de mettre un peu de sobriété. Je sais que ça peut mal partir avec cette maison.
la sobriété. Ouais, je pense qu'il y a un truc que t'as pas compris. Quand on fait un toit comme ça avec des murs jaunes, on est plus sobre. On a quitté la sobriété depuis un moment en fait. Hein. J'ai envie de faire une baie vitrée. Je pense que ça va être la partie chambre. Oh là là, il n'y a rien. C'est terrible, hein, c'est que je m'étais dit, ouais, peut-être que ça ira mieux dans les Sims 2 et tout pour certaines choses. Nada. Non mais elles sont... Je peux pas les monter en plus, elles se bloquent à une partie, tu vois. Et c'est... Tu te démerdes, Michel. Je vais mettre les toilettes, là. Je me dis, il n'y a pas de salle de bain, ça me stresse. Ouais, ça va être Pekenia salle de bain, hein, par contre. Hein. Je vous avais pas dit qu'elles seraient grandes non plus. Hein. Non mais c'est quoi ces fenêtres? Elles sont toutes hyper grandes ou soit petites et moches. C'est ça, ma vie? C'était de choisir entre des trucs petits et moches. J'essaye de... J'avoue, les fenêtres, on n'a pas vraiment beaucoup de choix. Je vais juste essayer de... Ah, je voudrais les coller, c'est pas possible. Bon, on a toujours de la pelouse à l'intérieur, vous inquiétez pas, ça va disparaître. Ça, c'est un truc où je pense que maintenant, tu as forcément du béton dans les Sims 4, tu vois, t'as plus la pelouse. Mais du coup, tes Sims, ils se sentaient mal hein, si tu laissais la pelouse. Hein. T'avais pas assez de thunes, tu disais tant pis les gars, vous aurez pas de... Vous aurez pas de sol, ils étaient mal, le confort du coup diminue de fou furieux. Alors que c'est vrai que dans les Sims 4 déjà ils partent avec du béton quoi. On les respecte un peu plus. Hop, c'est vrai que je papillonne, hein. Je reste pas focus sur un point. J'aurais pu terminer tu vois la salle de bain, non. Non, pas du tout envie en fait. Oh, celui-là, qu'est-ce que je l'ai mis, celui-là aussi. Ah, il y a des souvenirs qui remontent. Celui-là aussi, la petite piscine là. Ah oui, je le mets juste pour la nostalgie, hein, je vous préviens. Oh, celui-là, je veux la pour la place. Ouais, oh là là, ma chérie, sois magnifique. Ah bah, du jaune. Ah, je vous avais pas dit que ça allait péter. Bah, maintenant, vous le savez, écoute. Hop, on a fait... là, on est sur un truc un peu fonctionnel quand même. Un petit peu. Les catalogues. On va partir sur la petite chambre. Commencer par la chambre. La porte, j'aurais peut-être pas dû la mettre là, en fait, je m'en rends compte. Je vais mettre le lit en fait là. Pour que de ton lit, tu sais, tu vois la terrasse. Quand même plus sympa. Les draps, ils étaient tous hideux déjà à l'époque, je les trouvais moches. Du coup, c'est compliqué quoi. Le canapé, du coup, on va rester un peu dans les mêmes, dans le même thème là. On va mettre un frigo. Les frigos, il n'y en a pas des masses. Hein. Il y avait les lave-vaisselle, c'est vrai. Mais les comptoirs, ils sont pas avec les. Ah oui, c'est vrai, les comptoirs sont pas dans la cuisine. Toujours chiant ça. J'ai l'impression que tu passes ton temps à chercher des objets dans d'autres catégories dans les Sims 2. Alors que c'est vrai que du coup dans les Sims 4 c'est quand même plus intuitif. Ah oui c'est vrai que t'avais que cette petite, ce petit truc là comme ça. C'était pas mal en vrai. Il y avait de l'idée. Non mais je les ai pris pour la rediff. Ouais mais faut dire aussi que c'est les moins moches. Hein. Bah, tu sais quoi, j'avais dit que ça piquait la rétine. Vous êtes prévenus j'ai envie de vous dire. Vous êtes restés, c'est un peu... Là, on peut pas... Ouais, non, mais ça jure à... Je sais que j'ai envie de... Non, mais même moi, j'ai pas envie de faire ça. On va lui mettre un lave-vaisselle, c'est quoi? Parce que j'ai été trop longtemps seule, sans avoir de lave-vaisselle. Maintenant, il est temps que les choses changent. Tu sens un peu la meuf, elle a subi, hein. Elle a vécu des choses traumatisantes. Hein. J'arrive pas à poser mon truc. Est-ce qu'il marche réellement si je le mets là? Bah écoutez, j'espère. Parce que c'est ce que je viens de faire. Les tables. On va partir sur une petite table. Parce que vu la baraque, de toute manière... Bon, bah il y en a au pire qui mangeront sur le canapé. La téloche. Je voulais la mettre au mur. Après réflexion, elle ne sera pas au mur. Non mais celle-là, je suis obligée de la mettre parce que c'est quand même toute mon enfance. Voilà, je vais pas vous le cacher. Hop, et je vais partir sur une table basse. Ouais, t'avais des petites tables en verre et tout, hein. Par contre, ce place... Ouais, on peut... On est bloqué par le placement automatique, hein. Qui est chiant, lui. Bah ouais, mais c'est moche aussi. C'est pour ça que je prenais des trucs tout faits. Tu peux rien faire, tu es bloqué sans cesse. Bon, les toilettes, t'as pas un choix... T'as pas un choix énorme, hein. À quoi ça sert, vas-y, c'est juste pour faire caca. Pas besoin d'avoir 36 000, hein. On va partir quand même sur un petit lavabo ou pas? Ah, j'ai oublié le lavabo dans la cuisine. Tragédie ça à chaque fois. Peut-être parce que dans les Sims 2 aussi, c'est plus galère à trouver. Tiens, j'ai envie de mettre le petit poêle là. Ah, il me saoule ce placement automatique, je vais pas vous mentir. J'ai envie un peu de lui taper sa gueule. Est-ce qu'on peut partir sur... Ah, de la décoration, ouais, un petit peu quand même. Mais c'est terrible hein, cette idée de pas avoir tout de suite les couleurs là, ça me saoule.
Non, c'est le miroir que j'aimerais. Je peux pas le mettre en diagonale? Non. On t'a dit non. Connasse. Pardon, mais. C'est le jeu, je sais pas, je suis. On peut faire. Non. Et ça? Non plus. Et si j'ai envie de faire ça? Non. Ah bah tiens. Avec le petit poil défoncé là, je trouve que c'est. C'est génial. Les plantes! Oh my god, y'a rien. Je suis un peu deg là. Vous savez que les plantes, c'est quand même le seul truc que j'ai. Que du coup, dans les Sims, je maîtrise. Donc j'ai tendance à en mettre. Enfin, en abuser. Again and again. Ouais. Je vais faire la terrasse direct là. Et du coup, je voudrais mettre une minuscule table. C'est là. La table du dehors, quoi. Attends. J'ai vraiment ma table qui a disparu là? Ah, c'est pas des blagues du tout. Très bien. Du coup, on était au niveau des plantes, c'est pour ça en fait que j'ai pensé. Ouais, ça va le bloquer là, mon Sims. Tout bloque les Sims en même temps. Bah tant pis. C'est vrai que j'ai pas de lumière. Ça sert à quoi de toute façon la lumière hein, ça prend de la place. Il n'y a aucune bibliothèque qui me plaît, c'est une tragédie. C'est bon, j'ai rien dit. Non, je cherche les commodes. Bonjour. Bah dans la seule que j'ai pas faite en fait, le divers. Pourquoi c'est rangé là aussi, ça n'a aucune allure. Je vais essayer de rajouter un petit tableau, tu vois, histoire qu'il s'ennuie moins chez lui. Hop. Je crois que le Sims là, il peut pas accéder de l'autre côté, mais j'ai pas le choix, Michel. Hein. Et ben voilà ma maison. Je sais pas si c'est... Ah oui, c'est toujours les photos. Elles fonctionnent toujours avec C. Ah ouais, t'as mis automatiquement une petite cheminée. Y a pas de fenêtre. Non. Ouais, si. Ah, je peux pas. Non, mais... C'est vous. Vous savez pas... Vous comprenez rien à l'art, c'est tout. C'est... C'est pas votre faute, hein, mais c'est juste que tout ça, ça vous dépend. Je vais sauvegarder quand même mon œuvre. Ouais, j'ai honte de rien. C'était dur, c'était super dur. En fait, il n'y a pas grand-chose, je trouve, pour s'amuser, parce qu'avec le placement automatique, tu ne peux rien faire. T'es tellement bloqué. Ah, je comprends que du coup, dans les Sims 2, je m'occupais jamais de la construction, parce que c'est l'enfer du devoir. Déjà il y a zéro objet et en plus ils sont pas fous quoi. Ah non, je comprends que du coup tu t'éclates bien plus genre avec les Sims 3. Je pense que déjà à l'époque les Sims 3 ça devait révolutionner quand vous... Si vous aimiez la construction ça devait vous révolutionner la vie. Mais alors vraiment en plus avec les Sims 4, moi je sais que là pas fifou quoi. En tout cas j'espère quand même que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Moi je vais vous laisser là, merci à tous ceux qui achètent mes romans, les liens sont dans la description. Merci beaucoup. Moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao ciao.